Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas en top forme. Vous devez déjà l'entendre, j'ai un peu le nez pris. Et puis fatigue, mais bon, rien de grave, hein, je vous rassure. Je vais être un peu mou. Puis la configuration de la journée, pas plus mal finalement, parce que j'ai envie de dire, entre guillemets, j'ai le droit d'être déclinant dans la journée. Là, je vais faire environ 3 heures de Dying Light avec vous jusqu'à 13 heures. Transition de chaîne, on va chez FunFan de 13 à 16 pour un nouveau jeu d'aventure. Décidément, il nous gâte, FunFan, que j'aurai plaisir à vous commenter. Et puis, une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de retrouver Bastos pour du camion de 16h jusqu'à au moins 19h. Après, libre à lui de gérer sa fatigue, etc. Alors, ils feront les routes européennes, moi je les boude. Ce qui ferait que je me manifesterais juste en mode radio CB. Ce qui pourrait donner d'ailleurs lieu à, si Bastos t'accepte, je pourrais éventuellement parler de manière plus posée que je fais d'habitude quand je le fais sur mon antenne. Pourquoi? Parce que j'aurais pas à me concentrer strictement sur la conduite. Je pourrais me concentrer sur ma lecture, si je devais en faire. Enfin bref, un programme joyeux de journée. Oula, je suis de nuit, je suis dehors, mais je vais me faire tuer. Ah, le jeu me punit. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Une zone de quarantaine, j'en sortais. Pourquoi? Parce que je me suis amusé à faire des quarantaines, ça y est, hors antenne pour YouTube. Du coup, faut que je me remette en mode. Bonjour, Bastos. Ouais, oui, merci, oui, ça va. Bon, on va dire que j'ai un coup de mou, mais bon. Un coup de mou qui arrive, tu sais, de fin de semaine. C'est l'organisme qui dit stop. Oh! Ah oui, c'était un rapace. C'est vrai qu'on a des rapaces. Il va me buter. Je peux pas le pousser hors de l'immeuble, ce con. Ah non, il est super solide. Ah, c'était intéressant le. Bonjour Christella. C'était intéressant le duel d'entrée de jeu contre le rapace. Je sais pas comment il m'a repéré, mais. Ouh. Fantôme, on peut pas dire courant d'air là ce qui vient de se passer. C'est quoi ce délire? Eh ben dis donc. Oula, on voit des choses dehors. Ibi. C'est cool, c'est un vendeur. Coucou. Bonjour Twinsen. Ah, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plus frais que moi. Tac tac tac. Oh! J'en ai pour 10 000 dollars d'objets de valeur. Énorme. Ah, ça doit être la recette quand j'ai écumé mes zones de quarantaine. Bon, bah cool. Alors attends, mes armes sont dans quel état? C'est partout de partir au combat que je me fasse pas avoir. Faut que mes armes soient en état. Définition de l'objectif. Ouais, j'ai la quête principale. Alors c'est rigolo, j'ai exactement la même quête que Dragon Sky que j'ai lu. Il était dessus hier soir, il était à la même quête que moi. Une quête annexe, Rupert l'armurier. Fidèle m'a parlé d'un armurier de talent. Prénommé Rupert. Apparemment, ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans son atelier. Il faudrait peut-être que j'aille voir si tout va bien. Fidal m'a conseillé d'aller faire un tour dans son appart.
Ah. Une quête importante parce que bien que déclarée secondaire, elle fait partie intégralement de l'histoire, telle qu'elle est déclarée dans l'interface du jeu. C'est la nuit, donc il y a des rapaces. Ah là là. Attends, il va faire jour bientôt là. Ouais, 3h20 du mat. Est-ce que je peux me faufiler sans me faire repérer? Elles sont magnifiques, c'est. On appelle ça les fortifications là. Ah, dommage, j'ai pas de porte. Il dirait qu'il y a un truc à l'intérieur, ça m'intrigue. Je prends le risque d'y aller, en espérant qu'il n'y ait pas de rapace. Bizarre. Non, tout ça pour ça? Ah! Ah! Il y avait une statue à collectionner. Oula, je descends plus en plus au niveau du sol. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. Ah bah. Yébé. Non, c'est au-dessus que j'aimerais. Oula. Par chance, c'est pas un rapace. Ah! Il y a de quoi se faire, bobo. Aïe! Comment je fais? J'ose retomber sur les câbles? Ça va être violent. Ah! Alors, on voit des vilains se barrer là? Par rapport aux UV, j'ai pas l'impression. Il n'y avait pas de rapace dans le coin, dis donc. Une pharmacie près du bord de l'eau, faut retenir. Merde! Oh, comment je suis fait avoir! Je me suis bêtement présenté à lui. Ne dis pas que c'est le mec qui fait face à un tel colosse. Attends, il est où le gars? Oh merde! Attends, il est où le malheureux? Ah, il est au-dessus! Ouais, c'était pas le bon angle. Oh, ça va péter, merde! Ouais, c'est super que tu sois mort, oui. Ah. Oh là là, l'approche nulle. Oh oh, puis lui il est pas content. Ah bah dis donc. Oh la boulette. Ah oh merde. J'ai un super excité. Oh non. Oui. Merde, homme. Oh, mais il y a des enragés partout.
dur. Les façades opposées sont un peu lointaines. Ça va pas m'aider dans mes gesticulations. Oh non! Je fais mon coup de batte de baseball par-dessus sa tête. Oh là, je suis mauvais. Ah! C'est une zone protégée, il y a des barbelés. Ah oui, je m'en souviens. Aïe. Ah, je me suis arraché sur le barbelé avec le grappin. Il est où le sac que je dépose des affaires? Parce que tant que je suis à côté, que j'en profite, quoi. Je vais me vider les poches avec tout ce que je ramasse. Oh la vache, j'ai augmenté ma capacité de stockage, moi. Ouais, il me reste une petite hachette de secours, on va dire. Je ferai quelques coups avec, et puis... Ah, j'irai la recycler ensuite. Oh! Je pensais pas que j'avais la portée. Oh la vache. Je me laisse surprendre. Oui, c'est là que ça se passe, c'est son appart. Ok. Qu'est-il devenu de Rupert l'armurier? Sûr que c'était un armurier, c'était pas une garderie. La vache. Bon, je pense que c'est le calme avant la tempête. Oh, c'est Mimi, petit ours en peluche dans le panier. Mm-hmm.
Donc l'action ne se passe pas dans cet étage. Bah, y a une gosse. Qui es-tu? Bon, bah... Ah oui, c'est garderie. Bonjour les enfants. Ça va, ils ont l'air heureux. Bon, désolé, j'ai pas de déguisement, les gosses. Hein. Je m'appelle Crane, je voudrais voir Rupert. Non, tu voudrais voir un armurier, et cet armurier s'appelle Rupert. D'accord. Je voudrais voir pour des modifications d'armes. Tu travailles pour Rice? Non. Ah, c'est déjà ça. Mais j'attends le retour de ma femme, Jasmine. Mmh. Tant qu'elle sera pas là, je ne bouge pas d'ici. Ça fait longtemps qu'elle est partie? Non. Alors elle ne va sûrement pas revenir tout de suite. Ah merde. Et ces gosses-là, leurs parents, ils sont... Morts, j'espère. Ah bon? Qu'une peur, c'est qu'un jour, un des gamins regarde par la fenêtre et tombe nez à nez avec son père ou sa mère transformé en zombie. Tu ce jour-là, je sais pas ce que je ferais. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, plus ou moins. Qu'une force maléfique s'était emparée de la ville et que j'étais un magicien qui pouvait les protéger. Une sorte de jeu qui ne s'arrête jamais. Jasmine ferait ça mieux que moi. Je suis armurier, pas psychologue. Je me demande à quoi je joue avec ces bêtises. Tu t'en sors plutôt bien, je trouve. Pas franchement. Il y a une petite, Alia. Elle est diabétique et elle n'a plus d'insuline. Son taux de glycémie est horriblement élevé. Elle est déshydratée et complètement crevée. D'après Jasmine, si on ne lui trouve pas de l'insuline très vite, elle va tomber dans le coma et y rester. Et moi, je joue les magiciens. Et les gamins s'imaginent que je vais la guérir avec une potion magique. Il serait peut-être temps que je leur dise la vérité. La magie blanche, ça n'existe pas. La noire, par contre. Calme-toi, Rupert. Il y a une pharmacie en ville. Peut-être que je pourrais y trouver de l'insuline. Sérieusement? Si tu fais ça, je t'en serai reconnaissant à vie. J'ai une radio. Si ma femme revient, je vais sans doute rentrer chez moi quelque temps. Mais si je pars, je te préviens. Alors c'est bien. Le moment où je me disais, je repère une pharmacie au bord de mer. Enfin, mer, je sais pas si c'est le bon terme, mais... Donc je devrais assez facilement honorer la quête. Ah la vache, quand on prend pas la lampe torche. C'était bien une crèche. Ça fait crédible hein, dans les récits des persos. Bonjour l'Hélène Force. Oui, ça fait longtemps que t'es pas venu sur un direct. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que t'es plus frais que moi. Parce que moi, j'ai de la fatigue et puis je suis pas en top. Voilà. J'ai un peu le nez pris. Mais rien de grave. Bord de mer, la pharmacie était proche. Hein. Où est-ce que je l'avais vu? Et la pharmacie qui est au bord de l'eau, attendez voir. Où est-ce que j'avais vu l'enseigne? C'était pas de l'autre côté? Ah mince, je l'avais vu. Faut que je reste près du bord de mer. Un peu le nez pris, toi aussi. Ah oui, Dying Light, oui, bah tu vois, je suis dans la deuxième partie de la ville. J'avance tout doucement à mon rythme, mais c'est un régal. C'est un régal. Allez, je prends le risque de descendre. Ouais, c'est un sacré risque, parce que là, c'est la caisse automobile.
Ça fait presque arène de boss. Ah merde alors. C'est où j'ai vu la pharmacie? Ne pas être loin. Ah, le grappin, on y prend goût. Bah merde. Je vais finir par croire que j'étais victime d'hallucination. Elle était au bord de l'eau, la pharmacie. Elle était si loin que ça? Mince. Elle n'est même pas montée sur le volet. Oh oh. Ah, j'ai des points de compétences pas utilisés. Ah, loupé. Oh, 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 oh. Il y en a du monde. Ça cache un truc. Oh, lui, il va tomber. Ah oui. Attends, attends que je reprenne mon souffle. Elles vont m'avoir. Elles m'ont eu. Je pourrais te conseiller un jeu que j'aime bien. Oui. Oui, oui, n'hésite pas, l'Alien Force. Je prends toujours, on ne sait jamais. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a une commande sur mon chat. Si vous souhaitez que je fasse un jeu, alors, sur long terme, hein, je le fais loin de là du jour au lendemain, mais. Point d'exclamation JAF pour jeu à faire. Point d'exclamation JAF espace, vous me balancez le nom du jeu. Puis je garde ça dans une liste que je consulte de temps en temps. Oui, je connais The Last of Us et je ne l'aime pas. Donc je ne le ferai pas. Mais merci de la suggestion d'Alien Force. J'ai eu la discussion brève, on va dire, avec ma nièce qui, elle, est fan. Et j'ai dit, non, je... J'accroche pas l'histoire. Enfin, je... Le pire, c'est que j'ai du mal à me justifier, mais... Je sais pas, j'ai jamais accroché la narration de... The Last of Us. Alors que Dying Light, je suis à fond dedans. Où est-ce que j'ai vu la pharmacie? Ouais, j'étais parti de là, puis j'étais parti... Mon tumeur, il m'indique des pharmacies dans les... dans le radar, mais... Je voulais te demander de faire le 2 que moi j'adore. Ah! Ouais, bon... Et écoute, j'ai envie de dire, s'il y a bien un truc que la vie m'a appris, c'est il ne faut jamais dire Fontaine, je bois pas de ton eau. Mais la probabilité que je fasse ce jeu est faible, et de facto, ce sera dans longtemps. je suis navré de te l'avouer, mais je sais que ça te ferait plaisir, mais c'est vraiment mal barré. Attends, je prends le risque d'aller au sol. Ah, génial, il y a un zombie sur le toit. Je suis en train de platiner sur ma PS4. Ah bah c'est bien. Oui, l'essentiel c'est que tu te fasses plaisir. Oulala, très dangereux de rester au sol. Ah tiens, il y a des plantes, mais là j'aurais pas le temps de faire la récolte. Ah bah, c'était pas l'appart dans lequel j'étais tout à l'heure. Où ils ont eu raison de moi. En tout cas, ça y ressemble. Même schéma. Tiens, c'est pas un bouquin. Je crois qu'à un moment, il y avait des bouquins à collectionner. Ah, la pharmacie est juste en contrebas. Là, où c'est que médecine, là. Attends, je vais aller sur le toit.
Ah, j'allais dire, on a cassé un truc. Oh merde. Et but. Ah bah. A défoncer la rambarde, la madame. Aïe! Qui c'est qui m'agresse? Oh mais il y en a. Oh! Ça fait une mauvaise chute, la madame. Vache. La configuration est telle que c'est vachement dangereux avec les zombies sur les toits. Encore? Mais c'est pareil. Oh là là. Mais ils sont passés le mot là quoi. Elle va me zigouiller. Je vais y aller, j'ai besoin d'une vidéo pour m'aider à la platine. Platine et tout ça. Eh ben bonjour à toi, l'Hélène Force. Merci d'être venu passer faire un coucou. Bon week-end à toi. A plus. C'est bien. Bah, chacun ses petits plaisirs, c'est ça qui est beau. Oulala! Oh, je lui ai mis la tête dans le bol. Dur. Ah. Avec un crochetage facile. J'aime bien leur... toute l'équipe de développement, de modélisation, leur boulot de recherche pour... l'ambiance, le côté graphique, excellent. Oh, mais c'est bon, ouais. Bon, d'autres clients, là... Ah oui. Allez, inexcité. Mais ils tombent tous des toits, c'est pas possible. Ah, mon arme est pétée. Et là, elle est restaurée. Oh. C'est sûr. Bon, je vais fermer la porte parce qu'il y a du peuple dehors. Ah, une note. Intéressant. Pas d'insuline ici. C'est moche. Par contre, j'ai de l'alcool. Bon, là, c'est de l'alcool pour désinfecter, on présume. Ah, oh, les affiches. Le doctor. Le doctor.
Les diplômes. Eh ben. Allons bon, il y a un excité qui balance des parpaings, des... Aïe, 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 aïe. Je sais pas, ouais. Je vais refermer la porte parce que je voudrais pas que la pharmacie devienne un truc générateur de... Un endroit générateur de rapaces. Ouais, bah, heureusement qu'il y a les toits. Et encore, ils sont loin d'être tous sûrs. Merde. Bon, allez, viens. Ouais, j'ai vu que tu voulais en découdre. Ou pas. À quoi il joue? Ah, bah non, je suis passé par là, moi. Ouch. Ah si, bien. N'allez plus haut, n'allez plus haut. Ah oui, mon grappin, faut que j'attende. Je peux pas en faire un usage illimité, ça va de soi. Ah, on y prend vite goût, hein, une fois qu'on connaît le grappin. Là, il y a une explosion. Ah. Oula. Il y a du grabuge en dessous. Faut se méfier, hein, même les toits, vraiment, je regarde en haut parce que... Pour peu qu'il y en a un qui me tombe littéralement dessus. Oui, je vais boire un coup, t'as raison. Ah, t'es en vacances, bah t'as raison, profite. T'as raison. Oui, merci, oui, c'est vrai que je m'hydrate pas assez. Toujours une machette. Il est vrai que le jeu me rappelle que j'ai des points de compétences pas utilisés. Et d'ailleurs, je dois vous l'avouer, ça y est, j'ai déverrouillé le niveau de légende. Et ça s'est passé quand j'ai fait ma petite soirée zone de quarantaine. Donc en fait, là, je vais devenir théoriquement surpuissant, quoi. Ah oui, quand même. Oui, bah le coup du troc. Je vais être meilleur en commerce. J'aurai encore plus de fric. Ah bah voilà. Combattant extrême. Alors, l'arbre de légende vous permet d'amener les caractéristiques de votre personnage vers des nouveaux sommets. Pour augmenter votre expérience légendaire, essayez de jouer en mode cauchemar et de remplir un maximum d'autres arbres de compétences. C'est très très bien pensé. Eh bah dis donc. Sans armes, compétences passives. Dégâts x 15. Augmente les dégâts sans armes. Oh là 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 là. Wouah, ça doit être à main nue là. Ça va être du judo, karaté et compagnie. Waouh. Ah, j'en reviens pas. Arme à une main. Putain, c'est nimp. X 15 de dégâts sans armes. Mais Crane est une arme. En G, en endurance, en santé. Oh là là. Eh ben dis donc. Pardon. Oh oh oh, il y a un vomito. Ah non, j'ai la substance dangereuse. Ah. Aïe. Ah bah, je viens de la déguster. Le truc y a pas à faire. Ah la vache, mais...
L'autre, il m'entend au son. C'est de la triche. Attends, là, non, mais là, je vais crever. Attends, lui, il faut que j'y aille, m'en débarrasser. Voilà. Et sinon, je suis mort. Voilà, merci. Ouch, attention. Oh oh. J'ai un Yamakaki. J'arrive, allez, duel. Ou pas. Je peux refaire des sons. Hein. Il m'avait déjà entamé la moitié de ma vie en 2-3 mandales. Ah bah tiens, la pharmacie en contrebas. Par contre, pour descendre proprement, c'est une autre paire de manches. Oh là là. Il n'y a pas de sac poubelle, il n'y a rien. Aïe. Ouais, évidemment. Ah. Oh merde, c'est les hommes de Crane. Tab activé. Voilà, que la lumière soit. Aïe. Je crois que c'est sur moi qui tire, non? Ah non. Ah, là oui. Eh ben voilà, j'arrive au sommet et j'ai pris trop de balles dans le cululu. Aïe, 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 aïe. Viens à toi, je vais te faire un bon prix. Je veux bien. C'est un lot de consolation. Ouais, là j'ai pas grand chose. Là, j'ai pas écumé beaucoup là. Mais bon, c'est pas mon objectif premier non plus d'ailleurs. Oups, oui non, c'est plus par là qu'il faut que je. Bon, bah c'est reparti pour un tour. Mario. Ouh là là. Ouais, une zone sécurisée, j'ai pas le droit au grappin, je sais. Oula. Comment qu'il s'est défenestré? Oh. Alors, l'idée de la défenestration est parfaitement valable. Par contre, ce serait été bien, une, de bien centrer au niveau de la fenêtre, et de deux, de faire au moins une animation de volet qui s'ouvre et se ferme. Parce que là, c'est un peu dommage au niveau réalisme. Aïe, 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 aïe. Oh, bah là, il n'y a rien dans cet appart. Oh, très difficile. Finalement, il y a quelque chose dans cet appart. Dans ce soir le 14 juillet, avec les détonations de leur mitrailleuse, là. De la mouise. Bonjour Poupon. Cher éliminateur de zombies nancéens. J'espère que tu vas bien, que t'as plus la forme que moi. Parce que là, je suis pas en top forme en cette fin de semaine. Bien content de pouvoir m'octroyer de jours de dodo. Oui, en quelque sorte. De dodo devant écran.
Enfin, le luxe de ne pas avoir à bouger. Bienvenue au club. Ah, toi aussi, t'es usé, mon pauvre foupon. Merde! Oh, le gadin débile! Ah, merci, je vois qu'il se passe un truc. Encore et toujours du soutien et bonjour, bienvenue à tous. Ah! Moi, c'est FunFan! Bonjour, FunFan, et merci. Ah, tu as renouvelé ton abonnement. D'ailleurs, parlant d'abonnement, moi, il faudra que je refasse le point à la sortie de ce week-end. Là. La semaine prochaine, je sais plus où j'en suis. J'avais dit que je le ferais, puis au final, j'ai pas pris le temps. Ça bastonne en bas, c'est les hommes de Rice. Oh merde, j'ai une main nerveuse. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux de. On va rigoler. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. On va rigoler merci violemment. Et bisous, merci, merci et bisous, merci, merci et bisous, merci. Oh non, elle est tombée à l'est. Oh non! Mais merde, je veux pas qu'elle tombe à l'espace intermédiaire, moi. Sinon, ma farce, elle est pas drôle. Ah, bah déjà le Gadrice. Je l'ai assommé. Alors. Par contre, faut que je trouve l'angle de tir. C'est moche, mais ça va être drôle. Ah, oh, j'ai pas l'angle de tir, non. Faut que je me mette en face. Ma petite farce explosive. Attends, je vais me mettre sur le lampadaire. Faut pas pousser. Tout ça pour ça. Quoi? Mais, c'est quoi ce bug? Mais non. Mais j'en tombe à la renverse. Tant je suis déboussolé. Mais c'était quoi ce bug? Hallucinant ce qui vient de se produire. Bonjour cousin. Ah, j'ai pas compris. Ça, pour avoir de l'action, ils en ont. Hey, il est mort. Oh, j'ai plus que trois flèches explosives. Merde. Ça, c'est pas cool. Faut vraiment que je les garde précieusement par rapport à ce que je dois faire. Oh, l'autre, il pète le feu du coup. C'est les hommes de Rice. Oh la vache. Ah, ils m'ont repéré. Merde, j'ai de la visite, je crois. J'ai cru entendre une excité. Oh, y a pas de bonbonne de gaz sur les autres toits, qu'on rigole un peu. Le nombre de balles utilisées, c'est un carnage. Oh, t'es qui toi? La maladie, ça doit être Dieu. Mais qu'est-ce qui a mal tourné à Aran? Quand ils ont trouvé le pétrole, ils ont dit qu'on serait tous riches. Tout le monde. Ils ont dit qu'on aurait du travail. Mais les bons boulots sont allés aux gens qui ne venaient même pas d'Aran. Ils ont construit de grandes tours avec l'air conditionné. Mais je connais personne qui y travaille. Pour nous, ils ont créé ce bidonville. Notre récompense, le cadeau du pétrole.
Maintenant, l'eau est sale et l'air sent le pot d'échappement. C'était pas brillant avant, mais c'était beaucoup plus joli que maintenant. Depuis cette épidémie est arrivée, le mois dernier, j'ai vu un homme, riche, attaqué par une paysanne. Je la connaissais. Elle s'appelait Denise. La mère Denise. Et cette chose qui avait été Denise a croqué le visage de cet homme riche, comme si c'était une pastèque. Mais j'étais content. J'ai honte de dire à quel point j'étais content. C'est un coup de la mère Denise. Vous aussi, vous l'avez. Vous avez vu c'est bien vrai, ça. Oh mon dieu. Oh, ça me fait toujours plaisir de récolter un katana. Bon, eh ben, je suis proche de la dite pharmacie, moi. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a de l'agitation. Aïe, 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 il a failli m'abattre. C'est pour ça qu'il y a de l'agitation. C'est l'endroit cible, c'est l'objectif. Bon, bah, va y avoir du sport. Je peux y aller avec des balles puisqu'ils en ont. Alors là, la végétation me pose problème. La végétation me pose grave problème. Oh, non, j'allais fouiller ça. Je donne pas cher de sa peau. Je donne pas cher de sa peau. Alors comment je descends sans me tuer? La camionnette. Hop. Ah merde. Il a réussi à s'en sortir. Ouais, évidemment, lui, il en a contre moi. Voilà, on n'en parle plus. Oh! Merde! Ah non, laissez-moi les zombies là. Là, j'ai une belle récolte à faire. Foutez-moi la paix. Et toi, va te planter dans le pic. Voilà, j'ai besoin de soins, je vais crever. Non, mais il y a un générateur continu de zombies là, ça va pas. J'aurai pas le temps de faire la récolte de rêve. Je vais être tout le temps embêté, c'est obligé. Bon, si je récupère les fusils, ça vaut son pesant de cacahuètes. Toujours cette prise stratégiquement parlant. Surtout que j'ai amélioré la compétence troc, donc je vais négocier dur les prochains au niveau des ventes. Voilà, oui, j'ai compris que c'était là ma grande. Sympa. Ah, la pâte du gain me perdra. Voilà, au revoir madame. Mince. Donc, je rappelle mes ordres de mission, il faut que je trouve de l'insuline pour une gamine dans une pharmacie. Oh,
Il y adhère. Ils vont me buter, mais c'est pas possible, il me restait 5 points de vie. Elles vont bouffer mon endurance, les enragés. Bien. Oh, il esquive trop bien, le mec. Ah, il me coûte cher en soins. Bon, là... Voilà. Ah, crochetage en plus. Ah, la bonne blague. Bon, ben ça va. Bon, j'aurai un peu la paix. Pas de monstre. Pas de monstre. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Non, c'était pas une note au sol. Sucrerie. Ah non, c'est l'inverse de l'insuline. Je vois pas d'insuline. Troy, tu m'entends? C'est Crane. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gamins dans la crèche royaume magique. T'étais au courant? Du tout. On pensait qu'il n'y avait personne là-bas. Ils ont besoin d'aide? Clairement, oui. Il va falloir du temps pour envoyer quelqu'un là-bas. Compris. Je reste jusqu'à ce que quelqu'un arrive. En attendant, j'ai besoin d'insuline. Je suis à la pharmacie, mais il n'y en a plus. Tu pourrais regarder si l'ordinateur fonctionne. On doit pouvoir trouver qui a acheté l'insuline en dernier. Ah. Ils ont peut-être même son adresse. Merci, Troy. C'est Bye. Pas idiot. Je lui accorde que c'est pas idiot. Dans la base de données, ouais. Rupert, c'est Crane. Rien ici. Oh merde. Alia ne va pas bien du tout. Le temps presse. Ouais, ouais. J'ai trouvé un reçu. Apparemment, un certain Ekrem Boskurt a acheté une grosse quantité d'insuline. Trois paquets. C'est le père d'Alia, Ekrem. L'insuline est peut-être encore chez eux. Ah. Leur adresse devrait se trouver sur le reçu. Je vais aller voir. Step Street. J'ai vu Step Street sur l'écran de l'ordi au niveau de la base de données. Donc évidemment, Crane connaît... Oh merde. À force de déambuler, il a retrouvé le... Il connaît la ville par cœur. Alors, allons chez les parents de la ptiote. Oui, oui, oui. Bonjour, mère Denise. Oh, ça va, c'est à côté. Oh, si je me loupe, je tombe dans l'eau. C'est pas beau? Oh, attention, zombie dangereux. Alors, ils habitaient par là. Comment je fais pour entrer, moi? C'est une cour intérieure. Ah, peut-être par ici, non? Ou pas? Non, c'est une planque. Oh, merde. Calmos. Oh, je peux déjà reprendre des soins. C'est dans cette cour intérieure qui se trouve. Donc, vu la configuration des lieux, il faut que je descende dans la rue, là. Attends, je vais descendre proprement. Oh, c'est où, ici? Personne dans ce grand appart? Oh, quelle horreur. Oh!
Bah tiens, il n'y a pas d'insuline là. Non. Merde. Ah. Le KGB de l'appart apparemment. Oh là là. Dur. Oh le carnage. Ah, il faut que j'étais sur le capot de la tuture. Aïe, 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 aïe. Ce qui est théoriquement un peu douloureux, puisqu'il y a un gyrophare à des antennes. Alors, l'idée d'arriver à la verticale là-dessus, c'est un peu dur. Bon, avec le vacarme que j'ai fait, il y a du monde qui risque de se rappliquer. Ah, ça va, c'est un milieu assez clos, finalement. Ah, bah, je vais me faire un petit coffre de voiture de police. C'est-il pas beau? Marrant, de voir le portefeuille dans le coffre de la voiture de police, je repense, mais c'est une anecdote que je vous avais déjà narrée. La fois où j'ai eu la chance d'aller en vacances, il y a plus de 10 ans de ça, sur l'île d'Oléron, il y avait... J'avais retrouvé au petit matin, je voulais vivre la fraîcheur d'un petit matin sur le vieux port. Et j'avais trouvé justement dans un bac à fleurs un portefeuille qui était justement dans le dos du... Enfin derrière le banc sur lequel je m'étais assis. Donc j'avais deviné que le gars avait dû trop se pencher. Puis par frottement le portefeuille a dû être éjecté de sa poche arrière de jean quoi. Un malheureux grand classique. Bref, je me vois me mettre en quête du poste de police ou de gendarmerie le plus proche. Où je leur avais discrètement mis contre le muret, quoi, qui restitue le portefeuille aux malheureux. Ça m'a rappelé cette anecdote de vie. Donc, j'avais dit qu'il fallait que je descende côté rue... C'est pas tout de sécuriser les toits. Pourquoi j'ai pas pu... Ah bah non, c'est par là. Et là, maintenant, ils me disent que c'est plus haut. Ouais, sauf que je comprends pas comment je fais pour atteindre le haut. Pour atteindre le diapart. Oh là là, il y a du monde qui arrive. Allez, je remonte sur les toits parce que... Comment je fais pour atteindre l'appart? Là, je piche pas. Oula. Là, j'arrive plus à lire la configuration des lieux. Merde alors. Ils me disent que c'est en haut, mais
Alors là, j'ai pas compris où est le point d'entrée de l'appart. Mais non, c'est pas par là, ça c'est notre ruelle. Oh, c'est superbe. Le patelin qui a une âme. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un bug de déconnexion. J'espère que ça va bien de votre côté, mais j'ai une alerte comme quoi j'étais déconnecté pendant une seconde. Oh là, ça y est. Oh non, puis il fallait que ce soit une excitée. Oh là là. Évidemment qu'elle me rejoint, évidemment. Voilà, elle a gagné le droit de mourir sur le toit. Merde alors, comment je fais? Faudrait que je repère le point d'entrée dans l'appart. Ah, c'est d'accord. D'accord. Donc, on y croit, on va y arriver à force. Dur. Ouch, merci de pare-brise. Alors attends, parce que elle va me causer problème. Oh merde, lui il est pas cool. Ah oh, bah d'accord, faut que je répare mon arme. Ouais, il est. C'est bien. Faut surtout pas que je déclenche la bonbonne là. Je vais attirer du monde. Bon, elle meurt ou elle reprend? Non, elle meurt. Merci. Oh. Oh là là, les excités. Oh, mais ils vont me zigouiller à force. Mais il va se calmer. Allez, hop. Eh, c'est relevé en plus. Allez, pampan cucu. Alors. Et heureusement que la quête est pas littéralement chronométrée, hein, parce que. Mais stratégiquement parlant, mes flèches explosives finissent par me manquer. Ah bah voilà. Oh, c'est magnifique. En mosaïque, les murs. Alors, ça doit être cool et chiant et nettoyé à la fois, ce genre de mur en mosaïque en petit carrelage. Parce que je vous dis pas la crasse et la merdouille qui s'engouffrent dans les joints. Par contre, l'envie de prendre une bonne grosse éponge et de mouiller les murs et d'essuyer derrière avec un chiffon sec, ça doit être trop classe à nettoyer. Bonjour Torota. Pas top forme pour moi, népris, fatigue. Mais bon, le moral est là, ça va dans l'ensemble. Et toi Torota? Merci de te joindre à nous. On est dans notre samedi 100% détente. Oula. Hic. Oh oui. Mon dieu, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ces passages de porte avec les trucs qui pendouillent. J'ai connu ça quand j'étais gamin chez ma nounou. Je me rappelle que ma nounou avait ça. Et je m'amusais à passer dedans. Comme le zombie qui s'amusait à passer dans le mur. Par ça tout va bien. Ah. C'est la collectionnite pour les petites statues. Ah, ça c'est pour se barrer. Ouais, je vais déverrouiller. Je vais déverrouiller la porte.
Ah, difficile. Je m'occupe de madame, qui est peut-être sinistrement une voisine, frangine, voire la maman de la pauvre gamine. Ouais, tu vas bien, c'est cool. Attendez. Que je vous lise. Tant pis, je le lis en public. Après le direct, est-ce que tu crois que tu pourrais me faire quelques modifs de Wisebot, s'il te plaît? Oui, si je suis à peu près frais. Oui, fan. Oui, en plus que j'aurais toujours plaisir éventuellement à bavarder avec Bastos et compagnie quand il fera le camion sur son antenne. Là, on n'empêche pas l'autre simultanément, c'est ça qui est beau. Oui, fan. Prends tes notes de ce que tu veux qu'on fasse. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas entendu la vocale. Oh, j'ai l'impression que Wisebot est en train de bugger. Merci pour le clip, Torota. C'est apprécié, comme on dit. Message de FunFan 1992. Je fais un test. Oui. Et je suis rassuré de me dire que le test est concluant. Bah, c'est Wisebot qui fait un peu son capricieux, on va dire. Vous entrez dans une zone sombre, oui. Oui, vous entrez dans une zone sombre. Fui. Ah, ils arrivent par là. La cheminée, c'est horrible. Ah, un petit peu de miam. Comment ça, Bastos qui dit? Comme FunFan a mentionné Wisebot, je pense qu'il a pris le dessus sur le message vocal et lui a répondu. Je pense aussi. Excellente analyse et déduction, Bastos. Tiens, est-ce que c'est cohérent par rapport à la montre? Ah ouais! Ça indique bien l'heure, ça veut dire qu'il va faire bientôt nuit. Qu'est-ce que... Une note d'écran. Je pars chercher les médicaments d'Alia à la pharmacie. Je passerai ensuite à la pizzeria et j'irai récupérer Alia à la crèche. On devrait être rentré pour 18h. Je t'aime, ma chérie. Et Crème. Il est bien allé à la pharmacie, mais il n'a pas récupéré sa fille ensuite. Rupert, où se trouve la pizzeria Farhat? Quoi? L'adresse, donne-la-moi. Très bien. Elle se trouve près de la crèche Royaume Magique, sur la rue Marchande. D'accord. Ah, j'ai récupéré un message vocal. Non, bah je pense que j'ai écumé l'appart. Ouais, ça fait aller, cousin. Mais Torota, qui a eu la gentillesse de te demander. Oui, vivement tout à l'heure, dit Torota pour le camion, on va bien rigoler. Mais oui. Mais carpe diem, profitons du temps présent. J'ai déjà plaisir d'être avec vous ce matin. Et n'oubliez pas, hein, tout à l'heure, 13h-16h avec FunFan, il se lance dans un nouveau jeu d'aventure et moi j'ai un commentaire à vous proposer. Ça va être intéressant. Moi j'ai bien aimé préparer mon document. C'est champouchant plaisir. On ne profite jamais assez comme on dit. Ah. Soyons conscients de bien être contents. C'est ça qui est beau. Oh! On m'a fait peur, le monsieur zombifié. Tiens, laisse tomber. Burp. Oh! Ah bah, il est vraiment laissé tomber. Il est tombé dans la ruelle. Il est tombé dans la ruelle. Je vais peut-être éteindre ma lampe torche parce que là, je vais exciter plus d'un zombard. Hop.
là. Aïe, j'ai mal utilisé le grappin. Bah du coup je vais aller en face. Voilà. Ah, l'objectif serait là-bas. Ouch. Atterrir sur un conduit d'aération, il n'y a pas pire pour faire un vacarme d'enfer. J'aurais peut-être dû m'y abstenir. Ah, pizzeria? La pizzeria est en contrebas. Attends, comment j'atterris en contrebas, moi? Ah, ça va. Alors là-bas, il y a un matelas, mais il est un peu loin. Ah. Ah. Merdoum. Est-ce que les dredons... Oh, génial! Chez Farah Pizouille. Bienvenue chez Farah Pizouille. Comment ça, brrr? Oui, il est déjà 11h. Temps réel, hein, je parle. Pas dans le jeu. Merci pour les clips. Ah merde. Pourquoi dois-je... Ah. J'ai dit recherche à identifier les corps. C'est là où je me rends compte que c'est la pizzeria qui a... Il y a un vrai stock d'insuline. Trafic. Ah! Des pizzas, des pâtes, des boissons, des desserts. Ah, petite végétarienne, grande végétarienne. J'arrive à lire des noms de pizzas, c'est rigolo. Ils ont pensé à tout dans... Oh, c'est beau! Ils ont pensé à tout dans le... Dans les décors. Juste un paquet d'insuline. Le registre en mentionnait 3. Attends, je vais me faire repérer là. Je vais peut-être arrêter ma lumière. Ah, il y a une tour éclairée en infrarouge là-bas. Oh, je me souvenais plus qu'il y avait... Ah oui, c'est les tunnels souterrains, c'est pas le métro. Hein. Ils avaient pas encore ça. Vite, il y a une excité qui m'a repéré. Ouais, ouais, la nuit tombe, là, c'est la mort. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. Merde. Tant qu'ils sont pas transformés en rapaces, ça me va. Alors, difficulté intermédiaire. Alors, le gameplay a l'air d'être un jeu d'infiltration à la Metal Gear. Je suis pas doué, vous allez vous marrer, avoir une overdose, ça va être très long. Alors ça va être d'autant plus long que je vais tout de suite l'avouer, FunFad. Quand j'ai fait mes recherches d'informations en semaine, j'ai trouvé une soluce qui dit que le jeu peut durer 60 heures. Au niveau gérer l'action, les énigmes et le scénar, t'en aurais pour un potentiel de 60 heures de jeu, donc c'est énorme. Du coup, en fonction de ce que tu vas vivre, parce que j'ai pas lu le scénario, en fonction de ce que tu vas vivre, je vais peut-être trouver moi des sujets intéressants à étudier, ce qui enrichira mon commentaire.
J'aime bien. Souvenez-vous, je sais plus quel jeu, hein, je vous avais parlé de la cryogénisation. Les tarifs aux États-Unis, etc. C'était super intéressant. Merde, c'est quoi la lampe torche? Ah oui, c'est ça. J'en oublie mes touches. C'était sur Deus Ex? Ouais, ouais, bah ouais. Ce serait bien que j'ai l'occasion de retrouver des... Justement, en fonction du jeu que tu fais, de retrouver des... Oh, il est dépité qu'il aille pas me dire qu'elle est morte. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à en trouver. Ah, elle ouf, va s'en sortir. Oui, avec ça, c'est bon. Elle va s'en sortir. Je me charge d'Alia. Tu pourrais occuper les autres gosses pendant ce temps? C'est que j'ai pas mal de choses à faire. Va leur parler, c'est tout. Je leur ai dit que t'étais un grand guerrier, un chevalier, un truc du genre. Vraiment? Et ta femme, elle revient quand? Ça va aller, t'inquiète. J'en ai pas pour longtemps. Les enfants, le guerrier héroïque est revenu avec une potion magique pour Alia. Il va rester avec vous pour vous protéger pendant que je m'occupe d'Alia. Attends un peu. Ce ne sera pas long. Eh ben... Ouais, hein, il fait magicien d'Oz. Hein. Bah à la base, c'est un armurier, mais bon, il occupe les gamins, quoi, qu'il a pu sauver. Ils ont pas d'histoire à me raconter, parce que dans la tour, les mioches, ils avaient pas leur langue dans leur poche. C'était rigolo. Bonjour, toi. Ah, toi, t'as un truc à dire, t'as. Salut, tu t'appelles comment? Kadim. Kadim, c'est chouette comme nom. J'ai un secret. Ah ouais? Moi aussi. C'est quoi ton secret? Je suis agent du GRE. Et toi? Tu pourrais me trouver des briques? C'est pas un secret, ça. Il y en a en bas, près du sous-sol. Et Monsieur Rupert a dit qu'on ne devait pas s'approcher du sous-sol. Sous aucune condition. Mais j'ai voulu aller voir. Et j'ai entendu un bruit effrayant. Et du coup, j'ai laissé tomber les briques que j'avais avec moi. Elles sont éparpillées un peu partout. Tu pourrais les récupérer? Ah, ça va être dur. Mais je veux bien essayer. Ah là 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 là. Canaillou. Oh, message là. De FunFan 1992. Tu peux pas sauvegarder et essayer de tuer les gosses un pour satisfaire mon sadisme et deux pour voir si c'est possible, je trouve. Quelle horreur. Monstre. Tu devrais avoir honte. Oh là 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 là. Allez. Alors, en bas, il a fait tomber ses briques. Ça, d'accord. Ah, il y en a 9. Je vais forcément tomber sur un truc monstrueux. Sinon, c'est pas drôle. Ça aurait dévalé dans l'escalier. Ce qui semble le plus logique, d'ailleurs. Barricader avec une table et un... J'aurais mis plus de trucs pour barricader la porte d'entrée, moi, mais bon. Vu la puissance des rapaces. Pourquoi la porte-là, elle est pas barricadée? Bizarre. Bon. Ça va, c'était... J'ai tuné une petite bondinette dans Shogo. Oh. Mince, je peux pas fermer la porte. Alors, il était où? Là. Allez. Voilà pour toi, Kadim. Toutes tes briques. Merci. Tu vas pas en parler à Rupert, hein? Si tu parles pas de mon secret, je dirai rien. Ton secret? Que tu travailles pour le... quoi déjà? Ok, motus et bouche cousue, Kadim. Mais je vais parler de ces bruits étranges à Rupert. Je les ai entendus aussi. Ouais, ouais, il y avait quelque chose derrière la porte. Il a raison, le gamin. Ouais. Alia va mieux. Elle se repose. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. Merci encore, Crane. Ma femme ne devrait pas tarder à arriver. Et je sais que ces gosses sont fatigants. J'imagine que tu as hâte de partir. Pas tout de suite. Mais... on n'a pas beaucoup de provisions. C'est trop de responsabilités pour une seule personne, Rupert. J'ai demandé des renforts. Ils vont pas tarder. C'était pas la peine de faire ça. Jasmine et moi, on peut gérer la situation sans problème. Rupert, j'étais au sous-sol. Oh. Je vois. Je suis désolé.
ces bruits qu'on entend. Parfois, j'ai l'impression d'entendre sa voix. Ça, c'était à craindre. Ah, je peux encore interagir avec lui. Je pensais que ce serait fini maintenant, mais je n'ai pas pu le faire. Ma femme, ma Jasmine. On peut pas la laisser comme ça, Rupert. Je ne pourrai jamais lever la main sur elle. Je préférerais encore qu'elle me tue. Donne-moi la clé du sous-sol. Je vais me charger du sale boulot. Envie de dire qu'elle est droit à une vraie mort, la pauvre. Mince. Oh, j'avais pas fait gaffe. Ah, original les dessins. Bonjour Tomouf. Comment ça va? Allez, Jasmine au pays des rêves. Ouais, ouais, c'est la cave. Elle a le malheur de descendre. Oh mon dieu! Oh là là! Oh. Pourquoi on voit la lumière du jour? Quoi? Waouh! Waouh! Joli! Ça se restaure les belles statues comme ça. Attends, ça donne. C'est quoi? Ça donne sur la rue ça ou pas? Non. En fait, j'ai droit à une succession de caves. Ouais, je vais pouvoir désactiver l'électricité là parce que c'est le boxon. Bah, moi je suis pas en top forme. J'ai le nez qui est pris, qui est bouffé. Donc ça me prend de l'énergie, donc je suis pas en top forme, mais à part ça, ça va, merci Tomo. Mais c'est bien que t'ailles bien, c'est cool. Ça se pète pas, visiblement. Ouais, non, elle est costaud. Ah, j'ai rouillé. Ah. Je crois qu'on a Jasmine derrière cette porte. Comment se fait-il qu'elle s'est retrouvée enfermée? Jasmine, bonjour, au revoir. Ah, elle avait peut-être été délibérément enfermée dans l'espoir de la soigner quand elle était encore humaine. Enfin, je pense que c'est... J'espère que c'est la bonne interprétation, parce que... L'effet séquestration dans la cave est terrible. C'est terrible. Ça donne... Ah, dans le couloir. D'accord. Elle était là, la malheureuse. Dans le mode GM... Attendez. Quoi? Ils ont fait quelques mises à jour sympas qui permettent de défendre les titres. Triple trade. Ah oui, vous parlez de simulateur de catch. Oh, il est beau le sabre. Bon, c'est une quête triste hein, dans la narration, mais au niveau maîtrise, qui est gentillette.
Tu l'as trouvée. Tu as réussi à l'aider. Elle repose en paix à présent. Merci. Merci pour elle. Merci pour moi. J'espère que j'arriverai à me pardonner pour ce que j'ai fait. Ou plutôt, ce que je n'ai pas fait. Oh, Kyle est une légende. Waouh. Waouh, j'ai déverrouillé un sacré succès là. Tenue débloquée, poids lourd. Ah. Bon, bah les petits, je sais pas si je vous reverrai. A plus. Ah si, encore une quête. Ah, mademoiselle, elle a quelque chose à demander. Tu t'en vas? J'ai pas le choix, mais j'ai des amis qui arrivent pour vous aider. Ils vont pas tarder. Et si le troll les attaque? Le troll? Il y a un troll géant sur le parking. Il fait des tas de bruits horribles. Il nous empêche de dormir. Il va falloir que je m'en occupe alors. Un troll a rien à faire dans un parking, pas vrai? Rien du tout. Bon, bah je vais m'occuper du troll. Ah là 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 là. Ouais, ça doit être un... Ouais, difficile, ça doit être les gros colosses qui balancent les parpaings. Bon, bah on va s'occuper du troll. Oula, je suis tellement sombre que je retourne même plus la porte. Ah merde, c'est pas le bon étage. Oui, c'est pas plus mal pour les gamins. D'ailleurs, je peux pas fermer leur porte. Là, je m'écouterai, je fermerai la porte. Aïe, aïe, aïe. Sympa, en effet, j'ai laissé un peu le mode de côté pour faire le mode ascension. Pour l'instant, j'y retournerai en fin de platine. C'est bien. Le troll. J'étais sur le point de partir quand un des gamins m'a dit qu'il y avait un troll dehors. Troy a envoyé des renforts, mais je devrais bien vérifier qu'il n'y a pas de danger avant de partir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, il est où, monsieur troll, que je lui donne sa fessée? Merde, il pleut, on est de nuit, ça craint. Attends, c'est quoi? C'est lui le troll? Ah oui, sur le parking, effectivement. Oh, 3 balles bien placées, on n'en parle plus. Ou 2. Bon bah voilà, il n'y a plus de troll. Ah, visiblement, c'était pas lui. Merde. La quête n'a pas été validée. Bah, le troll sur le parking, il n'y a que lui. Ah, au niveau de la quête, il voulait peut-être que je descende voir. Ah merde. Mais alors là, si je descends avec... C'était pas le troll, ça. Ah bon ? Ah, vu comme ça, oui. Je me disais aussi. Ok, vous êtes mort. Bah, je me suis fait troller. Waouh. Oh, la violence. Ah, attendez, je vais détendre mes jambes, moi. Ah, j'ai des points de compétences pas utilisés, me dit-il. Alors, dis-moi... Ah oui, c'est sympa, ça. Marchandage. Améliorer encore plus vos compétences marchandage. Ah bah, encore 10%, pourquoi pas. On va pas refuser. Oh la vache, j'ai des stats de fou maintenant. Ah, le troll, lol. Le troll, lol. Ah, achevé? Non, mais il l'est déjà. Oui, le troll, j'arrive. Attends, est-ce que je peux pas... Voilà. Alors... Bonjour, monsieur troll. Voilà.
Non, il faut se coltiner. Oh non, 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 merde, c'est vrai que je suis de nuit, j'avais oublié. Oh là là, je suis dans la merde. J'avais oublié. La 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 la. Hop là. Hop, poursuite évitée. J'avais oublié que j'étais de nuit. Ah là 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 là. Hop là. Hop, on y retourne. On n'a rien vu. C'était rien, les enfants. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Pardon. Mais d'ailleurs, quelle heure il est? Ah, il est 3h du mat, donc. Il est 3h du mat. Je peux pas le... Oh, c'est dommage. Niveau corps à corps... Ah, voilà. Voilà, il faut ruser. Voilà, il a plus de casque. Il va faire moins de mariole. Je l'aurai à l'usure comme ça. Il y a vraiment un moment précis où je peux le... Merde. Faut que je répare mon arme. Ah, il aime pas. Ah, j'électrise. Tout doucement. Je te fais la peau tout doucement. Oh, il a pas aimé. Et ben voilà. C'est un troll en moins. Et un troll de moins un. Crane, c'est Rupert. Tout va bien? Ouais, mais les enfants, c'est du boulot. Je me rendais pas compte. C'est vrai. Bon, tes amis sont arrivés, alors je vais ranger mon chapeau de magicien et rentrer à l'atelier. Tu pourrais me retrouver là-bas? Je te dois une fière chandelle. Et j'aimerais faire quelque chose pour toi. Cool. Ok, je te retrouve là-bas. Oh, c'était policier. C'est terrible, mais c'était un policier. J'assure que... Non détecté, ça fait des petits points bonus. Allez, on va fêter la fin de la nuit. Et la mort du troll. Bon. C'est débile, mais ça me fait rire. Voilà. Enfin, rire. Plaisir. Ah! Non, pas là. Eh ben, dis donc. Elle m'a mis vite le grappin dessus, la malheureuse. Allez. Bah alors. Ah. Tiens. L'excité a disparu. Allez. Violence. As-tu trouvé le plan dans l'immeuble de quoi? Attends. J'ai de la compagnie. Ah bah le blâle, celui que je m'attaque tout à l'heure qui était dans le parking là. Oh la vache. Bon, je vais retourner sur les toits là parce que c'est chaud. Puis
Puis je vais aller voir Rupert dans son vrai atelier d'armurier. Oh, j'ai cru que c'était pour moi. Intermédiaire. Allez, je déverrouille et je vous lis dans le chat. Merde, j'ai perdu un crochet bêtement. Oui, donc vous parlez, voilà, blablabla, blablabla, bla. Torota me dit, as-tu trouvé le plan dans l'immeuble où il y a des enfants? Ah, peut-être pas. J'ai trouvé un plan dans une pharmacie quand je cherchais l'insuline. Par contre, le plan dans l'immeuble des gamins, j'ai pas souvenir de la ramasser. Ah, on va y refaire un tour. Merci de l'indication, Torota. Ah, ça va, c'est une petite indication, ça. On va aller voir. Le troll est mort. Le troll est mort. Surtout que ce plan va bien aider. Ah. Mais je sais plus. Donc les gamins sont là. Bah du coup, je vais aller voir si les troupes sont bien arrivées. Bah, où sont les adultes? Mais on m'a menti. Ils sont où les adultes? Les gamins sont livrés à eux-mêmes. Le troll est mort ce soir, c'est ça. Ah, c'est la pauvre chatte qui avait besoin d'insuline. Elle est en PLS, hein, la gamine. Ah bah ça va, il a du jeu vidéo. Oui, oui, je te dérange pas, gamin. Ah la vache, il a une tête. C'est bien, ils font leurs jeux vidéo, ils sont peinards. Oh, j'avais pas fait gaffe. Oh. Oh, il est beau le dessin là. Très original. Ouvrir. Oui, bah c'était la salle de bain, ça. Attends, je sais même plus si j'avais ramassé le plan ou pas. Je pense pas que le plan soit à l'étage où il y a les gosses. Oh, le chapeau. La bonne blague. Attends. Déjà, à l'étage du dessus, il y avait un truc. Mais je sais même plus si j'ai ramassé le plan ou pas. Là, ici, je sais que j'avais... Normalement, j'avais écumé l'endroit. Je dis bien normalement. Je peux toujours vérifier. Je suis peut-être passé à côté du dit plan. Mais... Non, apparemment, j'ai... Là, c'est condamné. Non, tu l'as pas ramassé. Ah, tu l'as vu. Et je l'ai pas repéré. Ah! Confirmation visuelle. Ah. Je suis mauvais dans mes fouilles. C'est terrible quand même. Je l'ai pas ramassé. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est moi le gamin. Et que je fais le jeu des œufs de Pâques, là, à chercher. C'est très bien caché. Ah. Oh mon dieu, laisse-moi deviner. Le plan, c'est des flèches explosives. Oh là là. Le plan rêvé. C'est très bien caché. En fait, c'est très con. Ils ont dû le mettre au milieu du mur parmi les dessins des gosses. Et c'est là où on le remarque pas, en fait. On se dit que c'est le dessin d'un gamin, alors que c'est un truc très sérieux d'adulte. Un nounours? Non. Rose? Non. Activé. Oh.
C'est le nom d'un virus informatique, Hello View. Qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, d'ailleurs. Encore ? Non ! Vous êtes sérieux ? On va faire de la techno là, parce que c'est répétitif. Tout, 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 tout. Non mais c'est abusé. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais quelle horreur ! Oh la vache ! C'est encore plus vicieux que le... Vous savez, j'avais indiqué à Christella de faire, l'a fait sur son antenne, l'hommage à Silent Hill Pity, là, quand on tourne sans cesse dans l'appartement et à chaque passage, on découvre une horreur et une partie de la vérité de ce qui s'est passé dans l'appart. C'est horrible. Projecteur de champ de stase. Oh, j'ai besoin de l'offrir à quelques personnes que je connais. Quelle horreur, Bastos. Ouais, mais c'est une autre variante, tu vois. Mais c'est horrible. Alors là, je suis presque choqué. Très surpris, presque choqué. C'est un clin d'œil au jar horrifique. Merci, hein, Torota, mais... Vache. Ah, je m'attendais pas à un tel final. Bref. Ibi. Oui, pour Halloween, oui, c'est trop bien, oui, mais on parle pas. En tout cas, tu seras bien content d'en avoir ces champs de stase, ouais. Non, je t'avouerai, alors merci, mais je t'avouerai que je rêve de... les flèches explosives. Quand j'aurai la recette là, je vais être tout fou. Oh, ce sadisme! Ah tiens, comme je suis dans une planque, j'en profiter pour gérer mon inventaire. Ce sera pas plus mal. Ah oui, bah oui, j'en avais des trucs. Oh la vache. Oh les fusils. Oui, c'est pas grave, je les revendrai plus tard. Ouais, bah j'ai tout balancé. Voilà. Je vais garder le katana parce que je vais peut-être m'en faire une arme. Oh la girouette. La girouette. Je prends le risque d'aller en contrebas. Ouch. Oui, tu m'as repéré. Allez.
Merci, au revoir. Oh, ça me fait bizarre de me dire que je peux me promener dans la rue sans me faire agresser. Ah, il y a un fourgon de la police, c'est tentant. Oh merde. L'aérophagique, merci. Le problème c'est que ça va attirer du monde. Merde. Forcément. Oh merde, où me m'a repéré. Voilà. Alors il y a des gars de Craig tout proches. C'est vers le haut. Ah, magnifique. Ah, fusil militaire. Avec des munitions de carabine. J'ai bien fait de fouiller le... Mais attends, mais ils sont où les gars? Ah, ils sont peinards au-dessus sur le toit, d'accord. D'ailleurs, ça se demandait si c'est pas l'endroit où je dois aller. Quoi? Tu peux pas nous avoir tous. Ah. Oh, ah bah merde. Ah, hop là. Je vais te faire un bon prix. Ah oui, je veux bien du coup. Ah, des flèches explosives. Ah, ça fait plaisir d'en racheter. Ah, près de 5000 de matos. Bien. Alors, c'est reparti pour un tour. Pardon. Attention, le zombie au-dessus il est dangereux. Ouch. Merde. Donc j'arrête de sauter moi. Ah, c'est en face que ça se passe. Hop là. Hop là. Oh mince. Alors. Oui, et après? De quoi il est là? Ah, son entrée de magasin doit être quelque part. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit là. Là? Ah ouais. D'accord. Ok. Wow. Wow, wow, wow. Vache, t'es bien installé, mon gars. Content de te voir. Tu m'as rendu un sacré service au royaume magique. Merci. Pas de problème. Je te propose de jeter un œil à mes armes. Si tu en vois une qui t'intéresse, elle est pour toi. Cadeau. Celle-là me plaît beaucoup. Merci. Merci à toi. Et bonne chance. Ah ouais. Un plan d'épée angélique. Eh ben. Non, j'ai le droit de fouiller et d'ouvrir ?
j'ai déjà un pistolet allemand, d'accord. Ah, c'est pas fini. Et là, lance-roquette. Je crois que j'ai appris à me fabriquer un silencieux d'ailleurs. J'ai jamais fait usage de ce plan, mais. Ça peut être très pratique. Pardon. Alors, autant les gros flingues, j'ai la chance d'en avoir déjà un et plusieurs. Autant les pistolets, j'hésite. Oh. Tu sais quoi, mon gars, je reviendrai te revoir. Si je suis dans le besoin, je te prends un flingue. Mais comme c'est la richesse, et je suis bien content d'avoir eu mon plan d'épée dite angélique. C'est ça. Wow. Non. Je sais pas, on entend une excité. Ah oui. Voilà, elle s'est tue. Ah, je veux bien des petits... J'allais dire des paquets cadeaux. Des petits kits de soins. Ça se refuse pas. Bon bah voilà. Au niveau des quêtes. Ah, j'ai que des quêtes rejouables. Ah bah là il y en a plein. Ouais, ils sont tout proches, je vais aller les voir. On va faire un petit peu de l'histoire principale, là le coup de la transmission découverte. Une fois que le gars avait cassé le cryptage des communications extérieures. Oula. Please help us. Et là, boum. Non. Bonjour, Luno. Alors, désolé, sans offense Luno, merci de proposer, mais je joue en solitaire. Parce que c'est ma... C'est mon... Comment dire, c'est le... Je découvre. Ça faisait très longtemps que je rêvais, d'ailleurs, dès la sortie du jeu, de pouvoir y jouer. Et comme maintenant j'ai un ordi assez puissant pour le faire, donc je me fais la première en découverte tranquillou, quoi. Pareil, oui, t'as eu la même expérience. Bah là, tu vois, je suis dans ma tout pépère, j'y vais à mon rythme. De découvrir le jeu qui est absolument merveilleux. Oh, de là, oh, excellent le street art. Oh, c'est stylé. Merde, alors que je suis enquiquiné par un zombard. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est stylé. On voit que les graphistes se sont fait plaisir. Et ils ont bien raison. Merde. Oula. Wow. Bon bah bonne découverte mon ami. Oui merci Luno, merci. Bon week-end. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il grimpe si haut. Je viens de me laisser surprendre.
Atos. Ah bah. Ah, ça va vous? Petit jeune. Ah, je crois qu'il propose un défi, le petit jeune, ouais. J'ai souvenir. Ouais, des clous. Ah, j'ai déjà du café à vendre, 100$. J'achèterai pas mon paquet de café, 100$. Hein. C'est toi, Crane? Tu lui ressembles, en tout cas. Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et tout seul? Mon père est mort il y a 2 jours, mais il m'a enseigné toutes les règles de survie nécessaires. Mon père a laissé quelque chose pour Crane. Si t'es vraiment Crane et que tu peux le prouver, je te le donnerai. Ouais, comment tu veux que je te prouve que je suis bien Crane? Ah, c'est un défi. Prouve-moi que t'es super rapide. Mon père m'a dit que le vrai Crane est le plus rapide du monde. Alors t'as intérêt à foncer. Ha! C'est un défi. C'est malin. Dans la narration, c'est vraiment malin. Ah oui, c'est par là le chemin. Faut vraiment pour voir le vertige. Pardon. Si tu passes par la fan zone, essaie de savoir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras par toi-même. Quelqu'un appelle à l'aide. Il y a des femmes et des enfants. Oh. Eh bé. Oh, je ferai ça après. Ah, c'est encore un défi, décidément. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai beau le regarder en boucle, j'arrive pas à y croire. Un document interne du groupe de ravitaillement et d'entraide impliquant cet organisme dans un complot criminel de grande ampleur a été rendu public aujourd'hui. Selon ce document, plutôt que de chercher un vaccin au virus d'Aran, le GRE comptait le militariser et le vendre au plus offrant. Une levée de bouclier mondial à... Non, non, va droit au but. J'étais le dernier survivant de la zone de quarantaine. Je n'y crois toujours pas. Je suis encore en vie, j'arrive pas à y croire. Nous pleurons tous nos morts, mais pour reprendre les mots du président dans son discours d'aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits. Des soldats ont fouillé la zone de quarantaine à la recherche de survivants, mais ils n'ont trouvé que des infectés. D'après le colonel Tanner, une fois le processus de décontamination mené à bien, l'infection sera complètement résorbée. C'est un coup du ministère. Et justifie devant le monde entier la destruction de la ville. Crane, écoute-moi avant de foncer dehors. On a déjà un plan pour envoyer un message à l'extérieur. On place des charges dans un immeuble selon un plan précis, et on les fait sauter, ce que les zombies ne pourraient pas faire. On a un traceur, Michael, sur l'immeuble, mais il n'arrive pas à atteindre les derniers étages. Il y a trop de mordeurs. Ça me fait mal de le reconnaître, mais aucun de nous n'est assez fort pour l'aider. Putain, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant, ou ces cons vont nous pulvériser. Toi, moi, Jade, tout le monde. Dis à Michael que je viens lui filer un coup de main. Pendant ce temps, tu essaies d'appeler Jade. Dis-lui qu'il faut que je la voie. Je te le promets. Bonjour, la Jed. Oui, j'aime bien, tu m'as fait rigoler en disant faut tout atomiser le jeu aussi. Ah, ah là 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 là. Visage découvert, retrouver Michael dans les égouts. Alors, il y avait une quête secondaire qui était... Oui, des bidons, le jeu. Oh. Ah oui, c'est vrai, tu l'aimes pas. Ah. Fanzone. Alors, il signale de détresse en provenance de la fanzone. Apparemment, des femmes, des enfants, des soucis, proposent des provisions en échange d'aide. Je devrais aller voir. Ouais, ça m'intéresse comme quête secondaire. Apparemment, c'est pas la porte d'à côté. Doubidoubidoubidoubidou. J'ai vu une fusée près d'ici. Quoi? Je parie que quelqu'un est tombé sur des bandits. Quelqu'un va bientôt mourir. Hein? Je vois pas de fusée. Je vois pas de... À part des trucs qui flambent vraiment.
Oula. Ah, je suis trop loin pour faire usage du grappin. Bah. Alors. Bah. Est-ce où? Ouais. Espèce de vilain là. Merde, je vise mal. Bah, j'aurais utilisé quelques balles. Ah, j'ai deux flingues. C'est un peu ballot d'avoir deux flingues. Un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que je fais avec deux flingues, moi? Merde. Oh, tant pis, je vais me le faire au corps à corps. Hardcore. Yeah. Merde, je suis tombé du coup. Oh. Merde, faut que je répare mon arme. Heureusement qu'il est pris dans le décor. Bah, j'aime bien le jeu qui me propose une combinaison d'arts martiaux, gauche, droit, joue au bas, bref. Le genre de truc que je me vois pas maîtriser du tout. Ah, elle est bonne, j'ai planté la flèche dans le... dans le toit. Ah oui, alors attends, la Jed, tu m'as écrit un... Attends, je te lise la Jed. Ah oh non, je sais pas, je fais. Là, c'est bon. Ouch. Attends, je vais me planquer là et je vais te lire. Comme ça, je serai à l'abri des regards indiscrets, comme on dit. Alors, certaines choses sont pas mal, mais l'histoire est téléphonée. Puis le fait d'obliger le joueur de monter une tour alors qu'il suffirait de crocheter ou de péter des cadenas, c'est pas très logique vu ce qu'on peut faire à côté, etc, etc. J'y joue toujours, mais je casse le jeu en lootant trop facile, quoi. Ouais. Pardon. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Il y a un message audio qu'on entend. Oh la vache, pour descendre sans me briser les pattes, vas-y toi. Voilà, visiblement, il y a une terrasse intermédiaire. Hop là. Oh merde, il y en a du monde. Il y a trop de zombies. Elle est sympa la petite cour intérieure. Oula. Allons bon, on va cracher dessus. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais il y a combien d'excités? Oh là là! Mais c'est pas vrai! C'est tellement scripté que j'ai même pas de surprise. Hein? Ah bah j'en ai une belle tout à l'heure avant que t'arrives la Jed. Un nounours rose. Il y en arrive de tous les côtés. Bon, je peux enfin passer.
Ah. Ah, ce serait intéressant, un fourgon de la police. Oula! Il y a de ces colosses. Situation désespérée. Roy, il y a un message de détresse qui vient de la fan zone. Il ne devrait y avoir personne là-bas. Ouais, je vais peut-être aller voir. C'est qui le mec? Il m'a allumé. Mais il est sérieux? Ah, c'est donc ça la fan zone. D'accord. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des médicaments. Merde. Alors, si quelqu'un entend ce message, nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Des femmes et des enfants. De l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments. Petite statuette. Je le prends plus comme un défouloir, ce jeu, mais il vaut pas 40€. Sinon, sur Epic, de jeux pas mal, je pense, en ce moment, et le prochain aussi. Ouais, si ouais. Quelqu'un entend ce message, nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Attends, il faut que je trouve le point d'entrée. Et des munitions en échange de médicaments. De nourriture, ah, par là, peut-être. Aidez-nous, je vous en prie. Eh bien. Si quelqu'un entend ce message, nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique. Attends, comment je le rejoins? En échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Alors là, je pige pas comment je peux le rejoindre. Parce que cet appart-là est indépendant, mais... Ouais, j'aurais peut-être une bonne vue. Comment on les rejoint? En échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Aidez-nous, je vous en prie. Alors là, je pige pas. Si quelqu'un entend ce message. Oui, oui, on l'entend bien, mais le problème, c'est vous rejoindre, les gars. Vous êtes tellement bien barricadés que je vois pas le point d'entrée. Ah oui, Wedge Edge gratos bientôt. D'accord. Merci pour les infos. Ah là peut-être. Ouf, sacrée chute. Mais merde. Oula, il y en a du monde. Si quelqu'un entend. Non, c'est pas par là. Nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Oh non, j'ai une excité qui va essayer de me courser. Mais sérieusement, comment je fais? Il est où le point d'entrée? Je comprends vraiment pas. Bon app, cousin. Ah, bonne pizza, toi. Moi, je sais pas, j'ai acheté de la pizza, mais je sais pas ce que je vais manger ce midi. J'ai pas encore réfléchi. Oh. Il y a
des femmes et des enfants ici. Mais où est-ce qu'ils sont localisés ? Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Aidez-nous, je vous en prie. La 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 la. Ah, c'est horrible, mais je vais faire un strike en balançant la bonbonne, moi. Non ? Si quelqu'un entend ce message. Oui ! Nous sommes dans une situation désespérée. Ah, ils vont sauter de joie. Il y a des femmes et des enfants ici. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Aidez-nous, je vous en prie. Ouais. Il faut que j'aille au niveau de la... en bas de la fat zone. L'entrée serait là. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas l'air con. D'accord, tout simplement. Comment qu'elle est passée, elle? Oh merde, j'ai des cités qui arrivent à passer. Oh là là. Ah, statue. Si quelqu'un entend ce message, nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Aidez-nous, je vous en prie. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oula. Oula. Quelqu'un entend ce message. Nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Wow. Aidez-nous, je vous en prie. Wow, wow, wow. Si quelqu'un entend ce message. Nous sommes dans une situation désespérée. Bon, si je peux arrêter son tourne-disque, ce serait une bonne chose. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Ah oui, effectivement. Aidez-nous, je vous en prie. Je sais pas, il y avait un pass. Si quelqu'un entend ce message, nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de... Oui, 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 bon app pour ceux qui passent à table. Bon app, bon app. Aidez-nous, je vous en prie. Si quelqu'un entend ce message... Oui, on l'entend, ton message. On adorerait qu'il... Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments. De nourriture et d'eau potable. Tu peux couper ta cassette, elle nous sort par les trous de nez. On en a marre de se faire lobotomiser. Il y a des femmes et des enfants ici. Ouais, bah il y avait. De l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments, de nourriture et d'eau potable. Il y avait, il y avait, il n'y a plus. Ouais, c'est des... Il y a une carte d'accès là. Nous ouais. Sommes dans une situation désespérée. Il y a des bon, femmes ça et des c'est foutu. Ici. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions oh, en très échange drôle. De médicaments. Ah oui, ils ont barricadé forcément. Et d'eau potable. Forcément. Je vous en prie. Si quelqu'un entend ce message. Ah. Nous sommes dans une situation désespérée. Il y a des femmes et des enfants ici. Nous pouvons vous offrir de l'équipement électronique et des munitions en échange de médicaments,
de nourriture et d'eau potable. Aidez-nous, je vous en prie. Si quelqu'un entend ce message... Quoi ? Vous êtes dans une situation désespérée. J'ai tué des femmes et des enfants ici. Quoi ? Je peux vous offrir la mort en échange de vos médicaments, votre nourriture et votre eau potable. Venez me voir. Dis-moi ce qui se passe. Je suis dans la fan zone. Cet endroit est un traquenard. Empêche les gens de foutre les pieds ici. Compris. Et maintenant, suis ton propre conseil et fous le camp. Oh, je resterai. Je crois que je vais devoir m'occuper de ces gars-là. Terminé. Ah oui. Ah, tu veux me défier. Excellent. Prends l'ascenseur, il te mènera directement à moi. Ouais, une petite balle dans la tête et il fera moins le malin. Si quelqu'un entend ce message, ta situation se détériore rapidement. Ah, il y avait des... J'ai tué tellement de gens que je ne me souviens pas de tout le monde. Mais ils étaient faibles, tous. Et toi aussi, tu es faible. Alors tu vas mourir. Aïe, aïe, aïe. Un grand malade. Si quelqu'un entend ce message, je vais te couper la tête. Mais pas tout de suite, bien sûr. Avant, je tuais les gens rapidement. Mais maintenant, je prends mon temps. Je suis plus... méthodique. C'est un signe de maturité, tu ne crois pas ? Effectivement, à part l'ascenseur, il n'y a rien d'autre. Ah, ils essayent de jouer un peu sur les codes de l'horreur, visiblement. Eh ben, dis donc, aujourd'hui, ça aurait été un épisode très particulier. Ça, la peluche rouge de Nounours. Si quelqu'un entend ce message, je vais t'arracher les tympans pour que tu n'entendes plus rien. Tu mourras dans un silence total. Mais ne t'inquiète pas, j'entendrai tes cris à ta place. Alors ils ne seront pas gâchés. Oh là là. Si quelqu'un entend ce message, une bande de lâches m'a abandonné. Mais j'ai survécu en faisant appel à mes capacités. Oh merde, il a foutu le feu. Oh là là. Quoi ? C'est toi le Maboul ? Moi aussi j'ai un flingue, allez, on va vite en terminer. Il est où cet abruti ? Où est-ce qu'il est passé ? Oh la vache. Alors, ma boule, t'es où ? Ouais, c'est Crane. Ça va ? Un cinglé a tiré des gens dans la fan zone pour les massacrer. Il doit y avoir une vingtaine de cadavres ici. Il est mort ? Il a eu 100 comptes. Terminé. Oh là là. Oh la vache. Message de Docteur Boutique 11. Peut-être qu'à 13h pile, je serai pas prêt. N'hésite pas à garder l'antenne un peu plus longtemps. Mmh. Ok. Oh.
Bon, bah, prenez l'ascenseur. Il n'y avait rien, parce que là, l'incendie s'est calmé. L'incendie s'est calmé. On est d'accord, la porte s'ouvre toujours pas. Hein. Ouais. Bon. C'était un piège. Le fou a tiré des personnes pour les traquer. J'ai dû l'éliminer. Ah. Oui, du coup, comme le son n'est plus, ils sont plus ameutés. Oh. Ah. Bon. Trouver la personne à l'origine de la fumée. Ah ouais, c'est une quête secondaire. Spider l'estropié. Ah bon. 88 euros le DD, 4 gigas, c'est pas trop cher. Un SSD, tu veux dire. Ouais, bon. Gars qui a des ennuis, pour parler poliment. Dégage ta terre. Oh, tous ces bus. Oh la vache. Qui fait du... qui fait de l'envoi de... de gravats dans le décor. Je vais y arriver. Pareil, combien qu'il y a Rice qui se planque là-dedans. C'est la demeure du grand Manitou, là. C'est la demeure du grand Manitou. Oula. Violence. Ah, j'ai découvert une nouvelle zone de quarantaine. Joie. Je me ferai joie de la faire en bonus un soir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mmh.
Oh, ce grappin. Et mon histoire est aussi étrange que véridique. Vous savez pourquoi je suis ici? Parce que j'étais trop bourré. C'est une histoire très intéressante. Mes amis, Heinrich et Félix, m'ont dit que si je buvais assez, je serais immunisé contre la maladie. Parce que vous savez, l'alcool tue les bactéries. Ouais, c'est scientifiquement prouvé. Donc, je me suis totalement immunisé, d'accord? Et 4 jours plus tard, je me réveille, et toute la ville est... comment vous dites? Fermée. Et Félix et Heinrich ont disparu. Mes meilleurs amis, ils m'ont laissé tomber. Alors j'ai regardé dans le miroir, et vous savez ce que j'ai vu? Ils avaient dessiné un truc sur mon visage. Un truc d'homme. J'étais fou de rage. Et je le suis toujours. C'est vrai. Alors, je vais les retrouver. Mais d'abord, je dois trouver comment. Difficile à croire, mais tout ça est vrai. Pour le coup... Pardon, mon gars, je te crois. Enfin... Oula, j'avais pas vu qu'elle était si proche là, madame. Oh là là, il y en a du peuple. Ah. Eh bien, violence. Oula, il se passe des trucs pas jolis jolis. C'est bien, ça amortit les... C'est quoi ça? Hein? Un véhicule de race. C'est moi ou il m'a pas vu? Oula. Oh merde. Ah, il y a un autre vomito. Attention, danger. Oula, 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 oula. Putain, ça craint à 600% par ici. Attends, il est où le vomito? Priorité au vomito à neutraliser. Alors il y a lui. Ah, il est d'accord, c'est celui que j'avais fait tomber, il est pas mort. Vache. Bon, c'est bien, ils sont calmés. Je vais peut-être éteindre ma lampe torche. Ça va peut-être aider niveau discrétion. Mince, bah alors, oh, le bus qui devient... Oh, il est chiant, lui. S'il pouvait venir me dire bonjour de près, je pourrais peut-être le... le fracasser sans qu'il me fasse mal. Wow, allez, viens. Oh. Oh, va falloir que je ruse. Allez. Là. Ouais, non, débile. Ce que je viens de faire est débile. Ça va, il m'atteint pas. Si j'arrive à faire sauter son casque... Ah oui. J'ai même pas besoin du viseur en fait. Bon, j'espère que je retrouverai des munitions assez rapidement. Attention.
vache, il est chiant. Il est chiant. Oh. Voilà, ça fait un loustique en moins. Oh, il y a plusieurs matos sur eux. Là, je vais dire tant qu'à faire. Étrangement, elle a résisté à l'explosion. Elle était dans un angle où elle a pas... Elle a eu du bol. Bon, bref. Ah, ouais, ouais. J'ai suffisamment d'armes. Ah, c'est la belle... C'est la belle propriété, en fait, où il y a un truc. Oh, j'ai encore un excité de mes deux. Allez, viens. Merde, mon herbe brisée. Ah, c'est pas cool. Alors, on va se calmer. Évidemment, j'ai pas pris le grappin, c'est pas bien. Que je me barre. Ah merde, où est-ce que je peux me percher, peinard? Nulle part, visiblement. Ah mince. Eh bah ben, dis donc, il y en a du beau monde. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pas les princiers, c'est pas possible. Aïe. Allez. Je peux pas y aller. Oh non. Je suis en train de me planter. Oh merde. Pariez combien que Rice est derrière cette porte. Ah. Merci. Ah non, là vous pouvez pas escalader des trucs là, pitié. Calmez-vous les excités. J'en peux plus. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas tant de flèches que ça. Oh là, tiens. Je n'irais pas croire qu'elle pourrait passer me patater. Incroyable quand même. Ah. Katana, je vais me faire un super katana. Voilà. Ah, bâton cruel. Oh mais mince. Ah, j'ai du mal avec les sélections. Ah, fabriqué. Oh, un bâton cruel lance-flamme, sérieux? Ah, cette imagination. Et le katana. Ah, bah l'épée angélique. On va essayer le plan qu'on nous a offert. Pff, épée de Gabriel. Oh. Eh bien.
Amélioré. Roi. Allez. Je fais un katana de haute qualité. J'aime bien les katanas. Ah, 3 modules. Roi aussi. Spartacus. Et chevalier. Oh là 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 là! La qualité de cette arme, vous avez vu? Oi 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 oi, j'ai intérêt à bichonner mon matos. Katana! Hop. Au suivant! Oh, katana! Avec un coucher de soleil magnifique. Ouais, non. Bref, la carte dit quoi? Parce qu'elle était où, la quête? Oula, faut que je dézoome. Ah! Dakodak, d'accord. C'est là que ça se passe. Tiens, non. Oh, ils m'ont retrouvé. Efficace. J'apprécie l'arme. Eh bien. Ah, puis il y a lui. Oh! Vache. Je sais pas si... Non, il va pas exploser visiblement. La mandale que je lui ai mise. Ah, c'est du côté normal de la ville. Il faudrait que j'arrive à me jeter dans l'eau. Je sais pas comment. Ouais, il y a une récolte d'algues qui s'offre à moi là. Ah oh non, il y a un... Il y a un contrebas, ça serait dangereux. Oh le con. Mais il est con. Comment qu'il est tombé? Tiens, vas-y. Maline. Elle sait qu'il y a le précipice. Oh. Violence. Bon, peut-être descendre par Ouch. Oh, on va rigoler. Ouch. Et là, j'ai Clay. Ah, il y en a beaucoup. Oh. Ouch. Oh merde. Oh. Bon, bah du coup, je suis en bas. Ah, un espace intermédiaire. Ah bah elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Bien fait pour ma tronche. Oh là, je la tente là. Là, je peux la tenter. Aïe. Voilà, façon Lara Croft, saut de l'ange. Ah. Eh ben. Attends, il y a quoi sur la rive? Il y a sûrement des trucs. Waouh. J'ai une planque là. D'ailleurs, et les planques, je les ai toutes. Bizarre. Apparemment, je les aurais toutes. Bah, je m'approche du lieu de la quête. Alors que le crépuscule est en train de se poser.
Wow. Hop là. Ouais, je sais, la nuit arrive. La nuit. Arrive. Oh, j'ai un point de niveau légende. C'est beau ça. Apparemment, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. In the morning. Oh, bah alors. Ah bon? Vous êtes sérieux? Bizarre. Bizarre. Il est pas en face? Si. Sauf que là, le grappin fait pas son effet. Là. Si personne m'a suivi. Joli. Oh bah non, tu y étais, Crane. Oh. Allez, vive le grappin. Ah. C'est toi, Crane. J'ai vu ta tronche sur les affiches. Il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris une balle, les gars de Rice. Je suis traceur, moi aussi. Enfin, presque. Écoute, je peux plus rien faire. Tu peux m'aider? Il faut que tu finisses cette course pour moi. Oh. Je peux t'emmener à un abri ou à un truc du genre, mais j'ai d'autres chats à fouetter. T'as rien de plus important que ça. Je te le garantis. Bon, d'accord. Dis-moi en plus. La source de l'épidémie. Où ça? Quoi? David peut te montrer. Voici une liste et un sac contenant ce que j'ai déjà récupéré. À toi de trouver le reste. Quand tu auras tout, apporte-le à David et il te racontera. Tu le trouveras au Canal Royal. Dis-lui que c'est Spider qui t'envoie. Et toi? J'ai un abri tout près. Ça va aller. Aide David. C'est tout ce qui compte. Bon, si tu le dis. Eh ben. Récupérer des objets, éléments de narguilé. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fait nuit et je suis pas bon la nuit. Donc j'ai intérêt à aller dans ma planque, moi. Ma planque la plus proche, elle est où? Ah bah voilà. Suffisait de demander. Ouais, je suis dans une sécurisée, donc grappin interdit, j'ai compris. Ah là-bas. Ouais, la nuit arrive et on n'y voit rien. La nuit arrive avec son lot de problèmes. Heureusement pour moi. Ça t'intéresse? Sûrement. Ah. Bonjour EJ, comment ça va? Flèche incendiaire. Oula. Ah bah j'en ai trop. Ah coucou. Ah tu vas très bien, c'est cool. Ah moi c'est pas top, tu vois. J'ai... Alors ça pourrait être pire comme ça pourrait être mieux, mais bon.
J'ai le nez pris, j'ai un peu mal au crâne, donc un léger état grippal, on va dire. Puis j'ai le digestif qui me travaille. Mais bon, j'ai la chance d'être au chaud à la maison, donc je ne vais pas me plaindre. Comme je me dépense pas, je devrais récupérer dans les prochaines heures, tout doucement. Je pense que vous allez, théoriquement, je le vois comme ça, vous allez m'avoir un peu pato aujourd'hui. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, l'après-midi, je serai en mode radio. Vous ne me verrez plus, donc j'aurai plus d'aisance à me moucher, par exemple. Ou aller aux toilettes, s'il le faut, mais... une bonne nuit de sommeil, et avec un peu de chance, demain, vous me retrouvez frais et dispo comme il faut, quoi. Donc, j'ai envie de dire que les événements sont bien... concordent bien, quoi. Alors que je vide mes poches... ouais, j'ai pas besoin de... Ah, c'est... Y a quand même des katanas qui sont niveau gris, quoi, qui ont pas de haute qualité. C'est des lames émoussées, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui, il me disait que j'avais une nouvelle tenue. De truc mouchelour, là, je sais plus quoi. Non, c'est pas ça. J'ai souvenir habit lourd, je sais plus c'était quoi. Ouais, je sais pas. Ouf. Ah! Oh la vache, ce déguisement. Je vais faire peur. Il faut plus que je rencontre des gosses, là, je vais faire peur. Avec une telle apparence. Je préfère vendre plutôt que dormir. J'aime bien ce qu'il me dit, le gars. Ah voilà, dans le jeu, j'ai pas mérité. J'ai pas volé mon dodo. Alors, les objets, comment je fais? Hop là. Oh non, il y a un zombard qui... Oh. Hop là. Oh non, un aérophagique. Va mourir. Voilà. Oh oh. Oh oh oh. Alors ça, c'est vicieux. Ah mince. Eh oh, la ninjette là. Voilà. On n'en parle plus. Oula. Attends, mais oui, produit domestique à shipper. Oula. Ok, on est sur la côte. Il est où l'excité? Il a dû tomber, à mon avis. Le malheureux a trébuché. Ah, intermédiaire. Ah, ah bah, c'était sur le côté gauche.
Allez, viens me voir et va tomber dans le vide. Ce gouffre qui nous sépare. Je lui tranche les jambes. Oh, c'est moche. Allez-y. Oh, quelle horreur. Oh, jetez-moi sa jambe, c'est dégueulasse. Oh, c'est répugnant. C'est horrible. Encore des points de... Oh là là. C'est incroyable. Oh là là. Pff, bah je vais déverrouiller ça, moi. Grappin brutal. Les ennemis projetés à l'aide du grappin sont assommés. Ah, intéressant. C'est intéressant. Alors, j'ai deux points d'aventurier. D'accord. Quoi? Tenue de tueur de Rice? Oula, carrément. Wow. Attendez, pardon. J'ai un truc qui allait pas avec les lunettes. Bref. J'ai le choix, c'est ça? Sans arme, je fais très mal. Arme à une main, plus 4. Arme à deux mains, plus 4 de dégâts. Hein. Arme à feu, plus 10%. Ah! Oh! Arc, plus 40! Ah, comment je fais? Ah, c'est réservé en mode difficulté ultra balèze, c'est ça? Ah, si, acheter compétences. Ah, c'est. D'accord. Wow! Wow, wow, wow! Eh ben, dis donc. Respécialisation, d'accord. Oh la vache. Donc on est d'accord, j'ai mon truc. Ouais, j'ai mon truc. Bon bah c'est bien. Ouais, là je vais être obligé de retourner au sol, là, ça craint. Ouais. Oh. Parce que aller là, au niveau de l'hôtel, je sais pas si c'est une bonne idée. Je peux ? Pas. Aïe. Aïe, 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 ça fait bobo. Ah, je mets trop. Oh merde. Il va tomber. Mais non, mais je peux pas faire mon kit de soin, moi. Oh là là, oh le bazar. Ah merde, faut que je répare mon arme. Non, la bonne arme. Oh les cons. Ouais, merde. C'est tout ce bâtard. Oh, il y a l'autre qui a récupéré son flingue. Oh là là. Oh. Oh, pack de réquisition. Restez là, je vais voir. C'est intriguant. C'est ça? Non. Où est passé ce type? Merde. Mais je suis là, mon gars. Silence, j'ai entendu un truc. Ah, tu m'étonnes. T'as dû même le ressentir, normalement. C'était dans ce coin. Un peu idiot, le gars. Il doit être quelque part. Je suis là.
Zen. Et calmos, mon gars. Doucement. Le pauvre, il est en état de choc. Wow! Il y a enfin quelqu'un qui est devenu bien. Merci, étranger. Alors. Eh ben, mon pauvre. T'aurais pu y rester. Bah, mets-toi à l'abri, mon gars. Va falloir que t'ailles dans une planque. Ça fait plaisir au niveau des améliorations d'armes. Bon, j'ai toujours pas honoré ma quête, moi. Oula, il est space, lui. Ah oui, c'est vrai qu'avec Nayonet, normalement, il y a le serveur de camion, mais européen, qui est déjà actif. C'est vrai, il l'avait dit. Nayonet l'activerait dès le matin, à son réveil. Mais du coup, vous pourrez vous faire une séance d'échauffement tout en écoutant l'épisode commenté qu'on va faire ensemble dans quelques minutes, Fanfan et moi. Attendez. Ah. Ah non, j'ai cru que c'est une corbeille à fouiller, moi. Mazette, les objets sont loin, dis donc. C'est à l'autre bout de la ville. Allez, super, allez, Camus. Oh, je me suis fait peur. Il faudra que je passe par là. Oh, j'ai même eu un bras, le pauvre. Non, non, tu es mort. Allez, je prends le risque de repasser au sol. Aïe. Ah, là. Ouf. Bon, ça va. Hop là. C'était le plaisir de faire son ninja. Très mauvaise idée d'essayer d'approcher quelqu'un qui a un katana. Oh, ça m'intrigue. Waouh. Ah, je suis plus très loin. Hop là. Oh non. Oh là là. Oula! Oula là, j'ai pas vu que je m'étais pied dans le vide, moi. J'aurais dû lire la configuration des lieux avant. J'ai vraiment eu chaud. Bah. Alors attends, il y a un truc en contrebas. Ah, ici. Oh merde.
j'ai été suivi. Voilà. Ah. C'est pas sanglant du tout, hein. Je vous rappelle une dernière fois que ma chaîne est réservée aux adultes, 18+. Le contenu n'est pas approprié aux petits enfants. Même si on en a vu des choupinous dans l'histoire ce matin. À l'étage en bas, bah merde alors, c'est au milieu du sol. Il y en a du monde. Oh wow, 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 wow. Je me fais démonter. Oh lol. Oh, je m'en étouffe. On me soigne. Mais je vais repasser sur le toit, là, il y en a trop. Oh. Ingérable. Il n'a pas eu sa dose. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, t'as quasi 18 piges. On va dire, tu fais exception, t'es endurci, mais bon, par principe. Oh, ils sont chiants. Chiants et idiots. Enfin, du moins pour celle-là. Où est-ce qu'elle est passée? C'est bon, tu vas avoir ton compte. On passe à autre chose. Merci. Oh merde. J'adore donner des coups de katana dans l'air au-dessus de leur tête et eux, ils me chopent et ils me croquent. Tout va mal. Évidemment, katana bousillé. Ça va de soi. Il y en a trop, les zombies. Il y en a trop. Je peux pas gérer l'endroit où je suis censé me promener. Regardez-moi les paquets au sol. Ah, t'as encore 2 ans dans tes 18 piges? Ah, oh bah tu vois, je te voyais un peu plus âgé, mon cher Edge. Tout à ton honneur. On n'aura rien lu. Oh,
Mais non, mais il y en a trop. J'en ai 10 à l'écran, là. Comment voulez-vous que j'aille au sol? C'est pas possible. Bon. Mais c'est vraiment au rez-de-chaussée. Hein. Ah. Merci. Chut. Histoire de pas attirer les autres. C'est ça l'objet? Mais... Oula. Merci. Ah, ça leur a pas suffi. Ok, le souffle de l'explosion qui fait que clic. On va fermer la porte, hein. Au revoir, madame. Donc. Élément de narguilé, ok. Oh la vache. Effectivement. C'est une réserve à chicha. Heureux, fun fan. Ah bah c'est bien. On va faire la transition à l'heure. Eh ben. Allez, tu m'as trouvé, viens. Viens que je te décapite. J'aimerais sortir. Oh non, l'autre qui a encore envie, non mais... Ce cauchemar. Bon allez, je sors du trou à rap aussi. Hop là. Oui, l'excité. D'accord, j'attends ton signal, fun fan. Y a pas de souci. Mais va mourir, lui. Oui, mais c'est là où j'étais, non? Oui, mais il y en a plus. Merde, faut que je répare mon katana. Une dernière fois. Ah bah tiens. Là, j'y suis allé, non, je crois pas. Oh! Quoi? 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 Hein? Ok. Horreur. Horreur à son paroxysme. Il y avait un gamin zombifié. David. Oh, difficile. Ah. Cool. Je l'ai eu.
Oh, sympa. Calmos, l'excité, là. Je me barre si je peux sur les toits. Oh, il est déjà 13h, le temps passe vite. Oui, tu vas me rejoindre, je sais. J'aurais eu besoin de beaucoup de soins, c'est terrible quand même. Ah. Ah, je dirais pas non. Oh non. Si les autres appliquent, ça va pas le faire. Ah, il y a quand même un fourgon de la police. Oh non, monsieur pauvre, je mérite pas ça. Ah. J'aime bien le nom de l'arme, katana vicieux. C'est le katana vicieux. Je voulais me faire le coffre de la voiture de patrouille. Oui, couscous à toi aussi, mon cher Twinsen. Fameuse pizza. La fameuse pizzeria. Ah, crochetage intermédiaire. Pizza Boutonni, ouais. Je crois qu'il va y avoir un procès d'ailleurs par rapport à cette horrible affaire de scandale sanitaire. Je crois que le procès va bientôt s'ouvrir. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé. Il y avait une demoiselle qui était gravement atteinte de la bactérie E. coli suite à ce lot contaminé sur Nancy. Ça avait ému la population locale. Et ça avait fait, bah, tristement, on va dire, les affaires des journalistes locaux. Donc, la demoiselle, qui avait 14 ans, je crois, elle est sortie de son état comateux. Mais je vous laisse deviner, malheureusement, avec de lourdes séquelles. Elle a la mentalité d'une demoiselle de 10 ans. Il est très peu probable qu'elle retrouve un meilleur état plus tard, malheureusement, de ce que diagnostiquent les médecins. Mais bon, elle a ses parents pour pouvoir veiller sur elle.
Après, je pense que je vous reparlerai des pizzas Butoni quand on aura le jugement qui sera tombé, quoi. Mais bon, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Bon, je suis presque pas menacé à faire des jeux de serrure. J'aimerais finir ma quête, atteindre le loustic et me préparer à rendre l'antenne à FunFan. D'ici 5 grosses minutes. Oh, pas mal. Ah, merdoum. Je vous vois venir. De passer par les sous-sols. Ouais. Oh, 316 $. Eh, mon contact est vachement loin dans la ville. Attends. Oh. On passe au travers celle-là. Ah, une zone de quarantaine, bizarre. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais il en sort 500 000 de partout, là, je vais pas m'en sortir. Merde. Où est mon contact? Ah, génial. Oh, j'ai une petite farce pour lui. Ne bouge pas. Ah. Bon. Ça l'a chatouillé, visiblement. En dehors de ça, il s'en fout un peu. Oh non, mais non. C'est pas la bonne arme, je vais crever. J'ai eu chaud. Bon. Attends, je m'éloigne de mon... Message de FunFan 1992. Je suis prêt, même si pas grand monde va suivre le stream. Ah! Je m'attendais pas à ce que le truc se casse la figure. Pardon, je vais me faire peur. Oui, mais si, oh! Tu vas avoir du pop, FunFan, mais si. Je n'en doute pas. On va suivre tes aventures, et puis... Moi, je vais vous faire le commentaire une fois, je pense, dès l'intro passé. Surtout que ton jeu est intéressant. Hey, il a mis son meilleur mini-short. Ah, oh, tu es une scène, tu es terrible. Silence, j'entends. Voilà, comme tu dis, silence. Quelqu'un essaie de l'aider. Tuez-le. Attends. Ne me laisse pas tomber ici. Il est très efficace, mon katana. Très très efficace. Attends, je te libère, mon gars. Donc, t'as des infos, c'est ça? Ah non, c'est pas le bon gars.
Je t'en dois une. Bon bah il a du bol lui. Il a du bol. Visiblement j'ai rien à récolter. Mais alors rien de rien quoi. Il n'y a même pas une statuette de planqué. Ah bah. Ok ouais. M'en parle pas. Oh il m'a eu. Il m'a abattu. Oh bonjour Sol, comment ça va? Oui t'arrives à la fin. Ouais mauvaise habitude. Comment tu vas? Oh je vais pouvoir finir ma quête ou pas? Oh je la finirai une autre fois. On va aller chez Funfan va. Eh b. Ah. Ah puis hey, j'ai quasiment plus de kit de soins. J'en avais près d'une quarantaine et puis là je finis ma partie, j'en ai plus que 7. C'est que ça a été violent aujourd'hui. Fouch. Ouais, tranquillement, c'est bien. Ah, moi je suis pas en top forme. Je suis content d'être au chaud chez moi, mais j'ai le nez pris, j'ai un peu la migraine, le système digestif qui travaille. Je suis barbouillé. Mais bon, ça pourrait être pire aussi. Attendez voir. Voilà, vous me voyez en plein écran. Eh, j'ai des remerciements à faire, il y a eu un peu d'agitation ce matin sur le canal. Bah, ouais, la migraine, ouais, c'est ça Tunsen. Merci déjà Funfan pour la modération, et je sais que t'as renouvelé ton abonnement chez moi, merci. Alors que je fasse de même d'ailleurs chez certains d'entre vous, mais je referai le point dans la semaine qui arrive au niveau des abonnements. Je sais plus où j'en suis dans les chaînes que je suis. Merci à je sais plus qui. Je sais qu'il y a eu autre chose, mais je sais déjà plus. Dans les événements de chaîne. Ouais, ça a un petit peu bougé ce matin, c'était, ça m'a troublé. Ah, il y a Shiryu qui m'a suivi, merci. Acte de fidélité. Ah non, c'est tout. Bon, bah, je sais pas. Ah, c'est peut-être Shiryu que j'ai pas vu. C'était l'acte de fidélité, ça m'avait... J'avais compris qu'il se passait un truc, mais j'avais pas compris quoi. Voilà, tout s'explique. Bah écoutez, on va filer chez Funfan pour l'épisode commenté, c'est ça qui est cool. Chez Funfan pour l'épisode commenté, ah c'est ça qui est cool. Oui, c'est cool, je m'entends en double, ça fait flipper. Je me fais peur. Ne bougez pas, je vais faire le... Double, ça fait flipper. Mais je non, mais peur. Je me suis remis en double. Pas, oh là là, quelle horreur. Ça fait flipper. Mais non, mais je me suis remis en double. Oh là là, quelle horreur. Ça fait flipper. Mais non, mais je me suis remis en double. Tais-toi, mon double du passé. Bouh. Nom du Zeus. Ah ouais, c'est ça, je prends du temps pour me reposer. Bah là, du coup, le restant de la journée, je vais rester en vocal, je serai plus sur mon antenne. Donc tu vois, je vais pouvoir prendre mon aise sous Goodman. Merci d'avoir été là aussi, la Jed. Et merci Torota pour les clips. Ah, joie d'avoir Torota dans la bande de copains puisqu'il a clippé. C'est cool. Ah oui, tu me fais un appel, c'est vrai. Donc ça devrait zapper. Prenez soin de vous, bisous. Moi je vous retrouve demain matin en Afrique sur Far Cry 2. Mais là on file chez Funfan tout de suite pour l'épisode commenté. Chic chic chic. Ouais, il faut que je regarde mon panneau de contrôle. Au secours, panique. Mon Discord il est là. Oh là là. Je sais plus. Ah oui, Funfan, tu m'as fait un appel. Allô allô. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour Funfan. Bonjour tout le monde. Bonjour le sage. J'espère que tu vas bien. Enfin, je vais moyen. Je suis un peu barbouillé. Merci. Mais avec un peu de chance, je pense que vous vous rendrez compte de rien en fait. Bon, la transition, elle se fait. Ah oui, manuellement. Bisous, je zappe. Parce qu'il faut que je coupe mon enregistrement YouTube, moi. Que je fasse ça proprement. Voilà, merci aux anonymes, tous ceux qui suivent sur YouTube, les Redifs, bisous. Je suis accompagné par le sage de Nancy. Oui, bonjour.